Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo dans ma balle pour le défi de 7 ans. J'ai reçu la participation de Isabelle Su. Alors je ne connaissais pas. En bleu comme ça, les enveloppes. Original. Alors, j'ai juste ouvert. Pas que ça fasse du bruit et il y a plein de choses. Voilà. Hop. Alors, voilà, c'est quoi tout ça? Donc, il y a son petit mot. Un grand mot que je vais lire. Alors, ah d'accord, ok. Oui, c'est vrai que c'était un peu compliqué pour expliquer. Le défi. Non, et l'autre, on chargera pas. Merci à toi, en tout cas, Ida. Alors, on va découvrir sa création. Donc, je rappelle, c'était un mini-follow ou un follow. Vintage ou Chubby. Alors, elle a pris le thème vintage qui l'inspire plus. En tout cas, c'est super. Wow. Alors, je vous montre. Donc, elle a fait le thème vintage. Elle a mis une base noire avec un craft. Ah, j'adore ce craft là. Moi, je l'ai en rouleau comme ça. Donc, elle a fait un éventail. Alors, je crois qu'il y a une perle qui s'est enlevée. Et elle est tombée par terre et j'arrive pas à mettre la main dessus. J'ai réussi à la trouver. Je crois qu'il y avait une perle dessus. Je la mettrai en place quand j'aurai trouvé. Donc elle a mis des petits rubans. Là, on a une dentelle. Des petites traces. Là, il y a des fleurs. Oui, c'est là. Il y a une perle qui est tombée, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Quand j'aurai trouvé, je la recollerai. Et on a une fleur comme là. Alors, je sais pas si c'est un pas un livre. En tout cas, elle a ancré. Elle a ancré tous les tronches. Et derrière, c'est génial. Ah, je ne dirais pas ce qui est marqué, c'est trop petit. Ouais, et puis là, ça doit être dans les peppers, les 7 peppers qu'il y a ce truc-là. Petit embellissement en bois avec la twin, comme ça. On va l'ouvrir. Hop. Voilà. Je crois que ça s'est. Ah, ça s'est décollé là. Alors, on a. Montre. Je recollerai celui-là. En métal, comme ça, on a le feuillage. Et là, elle a fait un petit tag dans une enveloppe qu'elle a accroché avec un. Une épingle à nourrice. Alors, elle est en forme de lampe. Je sais pas si vous allez voir. Forme de lampe. D'ampoule. Et elle a mis des petites fleurs. Et la twin comme ça. Super chouette. Et à côté, on a papillon avec la dentelle. Au milieu aussi. Moi, je ne sais pas ça. Allez, c'est comme un ruban, mais c'est la cordouette comme ça.
avec un beau papier en dessous. Elle a cousu. Ouais, il est cousu. Mais allez. L'eau. Hop, en bas. Oh, je sais pas où t'as trouvé tes flèches comme ça. Avec les petits cœurs et les petits nœuds. Et pareil, elle a cousu. Oh, c'est original. Alors, on va voir. Là. Ah, regardez. Là, c'est cousu aussi, mais c'est de la twin. Pas de la twin. Je sais plus comment on appelle ça. Ah, bah, attends. Hop. Il y a deux pochettes. Dans la première, elle m'a fait une ATC vintage. C'est fait le 12-9. C'est la 2 sur 2. Elle est magnifique. C'est vraiment ton petit oiseau là. Le graphique. Sur un bouton, là elle a fait un teint. Et en haut elle a mis petite fleur en métal, petite fleur en tissu. La dentelle, en fait elle a repris le métal et la dentelle, ça c'est quoi? C'est top. Petite fleur et les petites traces. Elle est trop belle. Le papier de fond qu'elle a mis, elle a gratté les bords. Ouais. Il y a une première pochette. Psy, et il y en a une deuxième. Attends. J'arrive. Je vais faire à droite, je suis droitière. Hop. Attends. J'arrive à le sortir. Attends, hop, j'essaie de la sortir. Voilà. Hop. Bon, j'adore. Un mini appareil photo. Je crois que ça. Ouais. Mini appareil photo. Elle a ancré des bords. Je sais pas où t'as trouvé des tout petits stickers. C'est trop sympa. Et elle a mis du papier. Mais elle a fait comme l'appareil photo. Je sais pas où tu l'as mis. Franchement, c'est trop sympa. Je vais remettre dedans. Enfin, je vais mettre là parce que trop, j'arrive pas à la sortir. Donc, je remets la TC. Hop. Voilà. Voilà. Et en bas. Donc, elle a refait avec la. C'est cousu. D'accord, ouais, c'est cousu. Donc, on doit voir. Hop. Je tire doucement, parce que comme c'est un peu serré. Alors là, c'est pareil. Donc, j'attrape. Hop. Oups, là, on a des tags. Voilà. Donc pareil, vous voyez, elle a fait deux pochettes. Alors là, on a une autre ATC. Mais c'est la 1 sur 2, ça. J'ai pas ouvert non. Dans l'autre. Alors, c'est le 12-9-2021. C'est la série Vinted 1 sur 2. En fait, elles sont que pour moi. Ça, c'est cool. Avec la pendule. Montrez-vous c'est papier de fond pareil. Ah non, là il a fait au crayon, il fait fausse couture avec des flèches. Ah, c'est des stickers autocollants, pas un transparent. Et on a des strass, une petite fleur, trop sympa. Je vais la mettre dedans. Et là, celui-là, tu me diras,
Il y a un petit cœur qui s'est décollé de quelque part. Tu me diras où il était. Il m'a fait des mini tags, ça j'adore. Avec la pendule, il a. Comment on appelle ça? C'est pas. Je sais plus la matière. J'avoue que j'ai un trou. Et le deuxième, la petite feuille et les strass. Franchement, c'est trop sympa, Isabelle. Je remets dedans. Hop. Je remets les tailles. On va les mettre en dessous. Voilà. Et celui-là, tu me diras où il était. Mais de côté. Et au milieu, elle a. Alors, attends. Dans ce sens-là, je pense. Donc là, c'est un. Ah, papillon, je dirais. Non, une cocarde. Avec du papier du fournard, on va dire. Elle a fait le cœur avec une feuille en métal. Là, on a un petit cœur festonné, ancré et des petits strass. Donc ça, voilà. Hop, c'est monté sur pain, ça marche. C'est génial. Ça, c'est canon. Et l'autre, j'ai peur de tirer dessus. Ah, d'accord. C'est monté sur un paperclip. Sur une trombone. Trop sympa. Oh, j'adore. C'est une bannière comme un pagnon. Alors, tu me diras comment tu as réussi à faire un cintre avec un trombone. J'en ai, mais je vois pas comment on fait. Trop bien. J'adore cette dentelle, je l'ai. Par contre, tu me diras comment tu colles tes dentelles parce que on voit pas la colle du tout. Il est beau, le papier. Tu vois, mais il est un peu. Quand on bouge, il est brillant. Avec au milieu l'embellissement métal et la petite. J'en ai quelques-uns. Mais franchement, t'as ancré en verre. C'est une tuerie, ça va super. Alors là, c'est trop sympa. Donc ça, c'était dans la première pochette. On l'a pochette vide. Mais à chaque fois, elle a fait deux pochettes. Et dans la deuxième, hop. Ah, c'est génial. Ah, attendez. Il y a un truc que je vous ai pas montré. Donc, c'est des timbres. Je vais pouvoir les réutiliser. Ils sont montés sur mousse. C'est génial. Trop beau. Ça, il faut faire des timbres. En fait, c'est des ATS attestants. Trop. On va les réutiliser. Donc c'est pareil, années 20, années 30. J'adore, c'est beau. Merci beaucoup, Isa. Bon, je vérifie, j'oublie rien. Par contre, là, il y a un truc. Bon, je sais pas si je vais réussir. Hein? Ah, moi, il faut que ça colle. Ah, j'arrive à te sortir.
c'était un petit. J'ai peur de tout, Marie. Voilà. Dans la toute petite enveloppe, il y avait mini. J'adore. Mini carte postale. C'est excellent. Waouh. Voilà, c'est canon. J'ai vu, c'est quand j'ai tourné. J'ai dit, il y a un truc. Voilà, j'arrive à remettre. Oui, il est facile à remettre. Alors, franchement, merci beaucoup, c'est Isabelle, parce que là, franchement, on vérifie hein, que je n'oublie rien. Waouh! Voilà, Titan, ZTS, trop canon. Hop! Je vais toutes les remettre dedans. Hop! Voilà. Pas abîmé. Voilà. Là, t'inquiète pas, hein, je le recouvrirai. Franchement, c'est trop ça. Voilà. C'est trop sympa. Merci beaucoup. Hop. Voilà, je vais essayer de faire le nœud. Ben, bravo à toi, Isa. Parce que là, super sympa. Voilà. Bravo à toi, Ida. Merveille que vous faites. Et comme c'était pas assez, elle m'a mis plein de stickers. Ça vient de chez Human. Elle sait que j'adore Disney. Un Mickey, c'est surtout plutôt que j'aime bien. Mais regardez, elle m'a mis des stickers Mickey. Donc chez Jiman, il y a deux feuilles à chaque fois. Ça, c'est canon. Donc là, on a Mickey à différentes postures. Trop bien. Donc elle les a mis en double. Ouais. Elle les a mis en double. Après, elle m'a mis Mimi. Comme on dit, c'est trop cute. Regardez. Pareil, elle m'a mis en dos. Ah, sympa ça. Waouh. Donc là, on a. Ah, voilà. J'allais dire le roi lion, mais non. Il y a le roi lion, il y a l'île de la jungle, la belle clochard et les dalmatiens. Oh, il y a les dalmatiens. C'est génial, j'en ai pas du tout. Je savais pas, mais comme ça. Pour faire les petits, pour faire des ATS, trop sympa. Ils sont trop canons. J'ai pas 10 man. Même dans une 2 heures de route, j'ai pas 10 man. Et là, on a, bah, bien sûr, la reine des neiges. Franchement, trop. J'adore la couleur de leur fond. Franchement, elle est trop canon. Merci beaucoup à toi, Isa. Alors là, j'adore.
Si tu retournes à Disneyland à l'occasion, si tu vois s'il y a d'autres Disney, ça m'intéresserait. Tu me diras, on s'arrangera. Mais Mickey, franchement, je sais pas s'il est plutôt. C'est surtout lui que j'aime bien. Plutôt et Mickey, mais moi j'adore plutôt. J'ai plein de peluches là-haut. Mickey aussi. En tout cas, merci à toi, Isa. Magnifique. Alors là, franchement. Alors, tu me diras comment tu colles ta dentelle à l'intérieur. Pour pas que ça se voit, parce que là. Là, t'as été amusé parce qu'il est tout petit. Et tu me diras où allait ce petit cœur. Et il faut que je remette la main sur la perle. Voilà. Ben, bravo à toi, Isa. Et encore merci. Et j'ai d'autres participations qui vont arriver un petit à petit. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne fin du jour. Et on se donne rendez-vous ce soir pour le live. 21h. Comme je l'ai dit dans ma vidéo ce matin, surveillez parce que entre 20h et 21h, je pourrais être susceptible de le faire. Voilà, bah, passez une bonne fin de journée. Et on se dit à soi pour le live. Bye bye tout le monde.